La femelle branchue est venue préparer son nid. Elle a peut-être pondu un œuf par la même occasion. Je vois le nichoir, je suis en gros plan, je vois le nichoir qui bouge. Puis il n'y a pas de vent. À la place, ça, je tiens à la graisser, donc tu sais, elle a un œuf, la pomme, donc parce qu'elle a un gros cul. Ben peut-être qu'elle l'a pondu et est en train de l'ébrier actuellement. Elle a un gros cul, non, elle s'arrache de la chose. Ben les deux, là, tu sais, on ne sait pas exactement, là, mais. Elle s'arrache du lait. Ouais, mais avant de partir, il recouvre tout. Fait que. C'est ce qu'elle m'a fait quand je l'ai vu s'allumer, moi. Sur la cage, là, j'ai dit, tabarnouche, j'en ai un gros cul. Elle a un œuf qu'il faut qu'il pende quelque part. Si elle ne pend pas là, elle va le pendre. On aperçoit le mâle branchu qui fait des signes à sa femelle. Nous avons deux nichoirs à branchu. Pour les besoins de la cause, celui-ci, nous l'appellerons simplement nichoir de gauche. Il est juste à mauvaise hauteur. Sa face est en plein devant branche. Il est parti la rejoindre dans l'eau. Il y a aussi le nichoir de droite. Dans celui-là, il y a une caméra infrarouge à l'intérieur. Il y aura donc plusieurs vidéos de la couvaison provenant du nichoir de droite. C'est à suivre. Pour ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez simplement sur le bouton « Abonne-toi » à droite en bas et ensuite confirmez en cliquant sur « S'abonner ». À bientôt les amis pour d'autres vidéos.